Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Hesna Tissir, ingénieure d'État en industrie agroalimentaire, qui vient aujourd'hui pour partager avec nous son savoir dans le domaine. Je vous remercie, Madame Hesna, pour l'acceptation de notre invitation et je vous cède la parole. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer notre intervention webinaire, je vous remercie d'avoir m'invité pour cette intervention. J'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours avant de commencer notre présentation. En fait, je suis ingénieure d'État en industrie agroalimentaire, lauréat de la Faculté des sciences et techniques de Fès. Et aussi, je suis lauréate de la Faculté des sciences et techniques de STATS. Donc, j'étais étudiante comme vous à la FST de STATS. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien. Oui. Alors. Pardon. Pardon. Bon, je continue. Actuellement, je suis en poste en tant que responsable qualité au sein d'une industrie agroalimentaire dans le secteur d'activité et de la production des farines, des semoules et des pâtes de couscous, et aussi la distribution des conserves de tomates, de thon et le conditionnement du riz. Donc, j'espère de partager avec vous mes expériences dans ce sens. Donc, notre présentation va se dérouler comme suit. Je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais présenter l'industrie agroalimentaire, quelles sont les technologies alimentaires. Je vais montrer quelques exemples. Après, la qualité en industrie agroalimentaire. Ensuite, on va voir des référentiels législatif et normatif. Ensuite, on va établir un petit peu une démarche qualité. Un exemple d'application dans l'industrie agroalimentaire, dont je vais prendre un exemple du secteur des céréales. Et ensuite, on finit par une conclusion. Donc, les entreprises d'agroalimentaire au Maroc représentent aujourd'hui plus de 27% des entreprises industrielles. La jonction de l'agriculture et de l'industrie, le secteur de l'agroalimentaire représente un véritable moteur de l'économie marocaine. C'est aussi un véritable trait d'union entre l'amont et l'aval agricole et un acteur stratégique dans l'autonomie alimentaire du royaume. Comme vous savez, le secteur alimentaire, c'est un secteur très très basique et qui dit alimentation dit qu'on ne peut pas vivre sans l'alimentation. Donc l'industrie agroalimentaire, elle vient pour valoriser ses produits alimentaires. Donc on peut définir l'industrie agroalimentaire par l'ensemble des activités industrielles qui transforment des productions alimentaires issues de l'agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation humaine. Donc chaque industrie agroalimentaire, il a un processus de fabrication ou un processus de valorisation des produits
Il y a toujours des étapes clés, la réception de la matière première, transformation, que ce soit par... Il y a plusieurs types de transformation que je peux partager avec vous après, conditionnement, la livraison jusqu'au consommateur final. Donc, la technologie alimentaire se caractérise par une grande diversité d'acteurs et de filières. On peut trouver la filière céréalière, sucrière, laitière, agrumicole, avicole, viande oléique, etc. Donc, je vais montrer un exemple de filière céréalière. Comme matière première, le blé tendre. Après la transformation du blé tendre, selon plusieurs étapes, on peut trouver la farine comme produit fini. Et pour le blé dur, après la transformation, on peut finir par un produit fini qui est les semoules. Donc, il faut distinguer entre les deux types de blé. Donc, pour nous, vraiment, le blé, c'est une matière première. Mais il faut différencier entre les deux. Le blé tendre, il se diffère par rapport au blé dur. Blé dur nous donne des semoules et le blé tendre nous donne des farines. La différence entre les deux, elle est basée sur la nature des graines. La composition des graines n'est pas la même. Et aussi, dans le processus de fabrication, ce n'est pas la même. Elle se diffère dans l'étape de mouillage, de repos, etc. On peut entamer ça après. Donc, c'est la première transformation. Concernant la deuxième transformation du blé, on peut trouver la production des pâtes alimentaires et couscous. Ça, c'est tout ce qui concerne la filière céréalière. Et concernant la filière sucrière, comme vous savez, le sucre, c'est parmi les aliments essentiels dans notre vie. La production des sucres, elle est basée sur deux types de matières premières. Soit par la canne à sucre et ou bien par la betterave sucrière qui est la capacité la plus grande dans notre pays. Donc la production la plus fréquente du sucre, c'est par la betterave sucrière. On passe à la filière laitière, la première transformation du lait. On peut avoir du lait pasteurisé, lait UHT, ultra haute température, lait écrémé, semi-écrémé, lait entier, etc. Selon les types de processus ou bien selon le type de traitement, on peut avoir plusieurs types de lait. Pardon. Et concernant la deuxième transformation du lait, on peut avoir du yaourt ou bien du fromage. Alors, la qualité en agroalimentaire, avant de se focaliser sur la qualité sur l'agroalimentaire, on peut la définir comme l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Donc, dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation ancienne et récurrente qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. On peut dire alors que la qualité, c'est après la production, c'est le cœur métier du secteur alimentaire. On ne peut pas produire des produits n'importe comment, on ne peut pas livrer des produits n'importe comment et aussi on ne peut pas commercialiser des produits n'importe comment. Je vais citer un peu d'historique pour relever quelques éléments qu'on va discuter par la suite. Donc, à la fin des années 99, 90, une succession de crises sanitaires a remis en cause la confiance des consommateurs dans la sécurité des denrées alimentaires. Pour rétablir cette confiance, la Commission européenne a procédé à une importante réforme de la législation communautaire dans ce domaine.
Malgré ces évolutions réglementaires qui font du système européen l'un des plus stricts au monde sur le plan sanitaire, les consommateurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la qualité sanitaire des produits. En parallèle, la progression de la prévalence de l'obésité et du surpoids a renforcé les exigences des consommateurs sur les aspects nutritionnels. Donc, il ne réfléchit pas seulement sur la qualité sanitaire, mais aussi, afin d'éviter l'obésité et tout, ils ont pensé à l'aspect nutritionnel. C'est ça? Donc, les efforts des industriels se portent donc également sur l'aspect santé de leurs produits, sans oublier un prérequis indispensable. Donc, on va pas produire un produit de qualité nutritionnelle, sanitaire, sans avoir un bon goût. Donc, il s'agit en effet du premier critère du choix du consommateur en matière d'achat. Donc, un consommateur, il ne peut pas acheter un produit qu'il a d'une qualité nutritionnelle, une qualité sanitaire, sans une qualité goût ou bien qualité organoleptique. Ici, le consommateur, il va choisir un produit qui a un goût gustatif, une bonne saveur, etc., qu'un produit qui ne pré... Par exemple, si on prend du citron, ou bien un jus de citron. Ce jus de citron, il a une qualité sanitaire qui est conforme, il a une qualité nutritionnelle qui est bien, mais son goût, s'il est amer, je ne vais pas l'acheter. C'est ça le concept. Donc, aujourd'hui, dans le secteur alimentaire, la qualité est un élément essentiel de la stratégie des entreprises et un élément déterminant des choix des consommateurs. Donc, il agit sur trois dimensions qu'on a citées tout à l'heure, la qualité nutritionnelle, sanitaire et la qualité organoleptique. La qualité nutritionnelle, c'est-à-dire que le produit sauvegarde les vitamines, les nutriments, l'équilibre alimentaire. On ne peut pas produire un produit tout en détruisant leur qualité en nutriments. Et aussi la qualité sanitaire. Le produit doit être exempt des micro-organismes et toxines. Par exemple, si on prend la farine. Donc, cette farine, elle doit avoir une qualité sanitaire, elle ne doit pas contenir des toxines dangereuses parce que lors de la culture des semences pour avoir du blé, les agriculteurs, ils ajoutent des pesticides contre les insectes. Et ça peut être resté dans le produit. Donc, afin d'éviter d'avoir des traces de ces toxines, on doit être très vigilant dans ce sens. Et ensuite, la qualité organoleptique, tout ce qui concerne la saveur, l'odeur et l'aspect. Donc, on ne peut pas parler de la qualité dans l'agroalimentaire sans parler de l'assurance qualité, qui est l'ensemble des mesures préétablies et systématiques dans l'application et le contrôle. C'est un processus qui veille à contrôler, à suivre les produits dès la réception jusqu'à la livraison des produits aux consommateurs. Il y a aussi le concept de la sécurité alimentaire qui fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Bien sûr, avec une qualité sanitaire. Qualité micro sanitaire, qualité organoleptique et qualité nutritionnelle. Donc, après avoir défini la qualité dans l'industrie agroalimentaire, on peut passer à voir quelques références normatives et réglementaires et normatives qui gèrent tout le système de la sécurité alimentaire. Chaque entreprise agroalimentaire, il met en place des programmes prérequis. Ces programmes, voilà. Je vais mettre masqué.
Et pour maîtriser les dangers, il met en place un plan HACCP que je vais expliquer tout de suite. La traçabilité pour maîtriser les non-conformités s'ils ont lieu. Ça concerne la réglementation. Aussi, il y a des autres systèmes de management de la sécurité alimentaire qui sont mis au sein des entreprises, que ce soit volontairement ou contractuel. Alors, les PRP ou bien les programmes prérequis, ce sont les programmes basiques. C'est la base de tout système. Ces programmes concernent l'état hygiénique de tout ce qui entre dans la production ou bien dans le processus de production d'un produit alimentaire. On commence par les locaux. Les locaux doivent être munis d'un système qui est facile à nettoyer avec un état hygiénique satisfaisante. Les équipements aussi, ils sont maîtrisés, ils sont nettoyés pour les équipements qui doivent être étalonnés, vérifiés, contrôlés. Pour le transport aussi, il y a tout un système à mettre en place pour les transports. Le personnel, tout ce qui concerne les formations, est-ce que ce personnel il est formé sur la qualité des produits, sur l'état d'hygiène? Est-ce que ce personnel il porte la tenue de travail et tout? L'assainissement, dératisation, ça c'est pour la lutte contre les nuisibles, pour ne pas entrer en contact direct avec les produits. Il y a un tout système à mettre en place. Et la partie retrait et rappel, c'est dans le cas où il y a détection d'une non-conformité très, très, très critique. Et le produit, il est déjà livré chez des clients. On peut, et grâce à la traçabilité, on peut retirer ces produits. Comme nous avons dit, que les programmes préalables ou bien les programmes prérequis sont à la base de tout système. Une fois les programmes prérequis sont mis en place et sont respectés, on peut mettre un plan HACCP. HACCP, c'est une abréviation en anglais. H, c'est le hasard. A, c'est analysis. C, c'est critical control point. C'est un système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. C'est le fameux sigle des industries agroalimentaires. Ce plan HACCP, il permet d'identifier les dangers pour chaque étape de production. On prend chaque étape dans le processus, on identifie les dangers qui peuvent être présents. Les types de dangers, on peut trouver un danger physique. Un danger physique, c'est comme si on peut avoir du fer, du bois, et c'est quelque chose qu'on peut la toucher. Un danger physique, et ensuite un danger biologique, c'est le cas des micro-organismes. Donc, ça constitue un danger biologique. Et un danger chimique, c'est le cas où il y a présence des traces, par exemple, des traces des produits de nettoyage des équipements. S'ils sont nettoyés et ne sont pas bien renettoyés, il peut y avoir du reste des produits chimiques dans les installations. Et ensuite, avec le passage du produit, il peut avoir une contamination. C'est ça le rôle du système HACCP, c'est d'identifier les dangers et d'identifier les points critiques et mettre des plans de maîtrise face à ces dangers.
Donc, ce plan, il est très, très détaillé dans l'industrie agroalimentaire. Il contient 12 étapes pour sa constitution et 7 principes. Juste ce plan, à partir de ce plan, on peut faire un sujet, un exposé pour les... Pardon. Ce système, l'identifier, évaluer, maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. Pour être proactif face à d'éventuels risques d'intoxication alimentaire. Donc, si on peut identifier tous les risques qu'il peut y avoir dans le processus, on peut minimiser les risques d'intoxication. C'est d'où l'analyse des dangers, qui est une phase cruciale dans le secteur agroalimentaire. Je ne sais pas si vous savez, le système AMDEC, c'est presque le même principe, sauf le HACCP, il s'applique aux produits alimentaires et le système AMDEC, on peut l'appliquer sur des autres activités. Donc, la traçabilité. La traçabilité correspond, selon le Codex Alimentarius, à la capacité de suivre les déplacements d'un aliment parmi des stades précis de la production, de la transformation et de la distribution. Le paquet hygiène parle du plan de la fourche à la fourchette. Donc, la traçabilité agroalimentaire est très, très importante afin d'identifier. C'est grâce à la traçabilité qu'on peut identifier les produits alimentaires chez les consommateurs, chez les clients. Dans le cas où il y a un problème, on peut retirer, par exemple, juste le lot livré ou le lot déjà distribué, sans avoir retiré toute la production. Je vais vous donner un cas, un exemple qui est fréquent, juste dans ce mois. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y avait une infection de 21 cas par le salmonelle. C'est un micro-organisme. Le salmonelle, c'est un micro-organisme d'origine. Il peut se trouver dans d'origine. Peut se trouver dans les selles, oui. Donc, 21 cas ont été détectés en France chez les personnes ayant consommé du Kinder. Le fameux Kinder a été retiré grâce à la détection de l'infection de salmonelle. Donc, l'ANSA aussi, il a fait l'alerte pour retirer, pour le renforcement du contrôle de tous les produits de la marque Kinder à l'importation et pour faire le retrait immédiat du circuit de commercialisation des lots, des produits suspectés au niveau des importateurs et des enseignes de distribution. Bon, j'espère que c'est clair, mais à la fin de la présentation, si vous avez des questions, je peux vous expliquer un peu plus. Donc, quand on parle de la réglementation, voilà un peu d'historique. Une nouvelle vision de contrôle des sécurités sanitaires au Maroc a été mise en place dans le cadre de l'opérationnalisation du plan Maroc vert. Il s'est traduit en 2010 par la création de l'ANSA. L'ANSA, c'est l'Office national de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Donc, cet office qui a été créé en 2010 et qui est mis tous les règlements nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc, toutes les entités relevant du département de l'agriculture qui intervenaient dans le domaine du contrôle sanitaire des produits alimentaires ont été regroupées au sein de cet office, l'ANSA. Alhamdoulilah.
permettant ainsi d'assurer l'efficacité de l'action avec une approche coordonnée. La sécurité sanitaire est régie par la loi 2807 relative à la sécurité des produits alimentaires. Cette loi constitue un outil de travail qui introduit les principes généraux et les prescriptions permettant d'assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc, cette loi, elle gère, elle met tous les principes généraux pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Selon les secteurs, par exemple, si on prend le cas par exemple, des pâtes alimentaires, on trouve dans la réglementation qui est fait par l'ANSA, on trouve des éléments qui concernent tout ce qui est physico-chimie, la contenance en éléments physico-chimiques, par exemple, c'est quoi l'indice de Gens, c'est quoi l'humidité autorisée et tout. Donc, l'ANSA a pour mission d'assurer la surveillance et la protection sanitaire du patrimoine végétal et animal. Il assure aussi la sécurité sanitaire des produits alimentaires, depuis la matière première jusqu'au consommateur final. Il permet aussi de contrôler les intrants agricoles, comme les semences, les pesticides, les engrais et les médicaments vétérinaires. Il applique les législations et réglementations relatives à la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire. Donc, chaque entreprise, avant son démarrage, ou bien chaque entreprise agroalimentaire, avant son démarrage, elle doit avoir un agrément ou une autorisation sanitaire auprès de l'Office national de sécurité sanitaire des aliments, l'ANSA, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires, pardon, mis en place, autres que ceux spécialisés dans la vente au détail et la restauration collective. Donc, avant le démarrage de chaque entreprise, il faut y avoir une autorisation en ça ou un agrément selon l'activité. Donc, ce graphique présente l'évolution des agréments et autorisations sanitaires au Maroc. Comme vous remarquez, il y a une grande évolution depuis 2011 jusqu'à 2019. Donc, la majorité des sociétés sont autorisées ou ils ont des agréments sanitaires dans leur activité. En parallèle et en coordination avec l'ANSA, il y a des autres organismes étatiques qui contrôlent ces produits alimentaires. Par exemple, le Morocco Fodex, qui est un établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, qui est chargé de contrôle de la conformité des produits alimentaires, agricoles et maritimes marocains destinés à l'exportation aux exigences réglementaires des marchés internationaux. Donc, cet établissement, il veille au contrôle des produits de l'export. Aussi, le laboratoire LOARC. Aussi, c'est un établissement étatique qui veille au contrôle des produits alimentaires en coordination avec l'Office ANSA. Donc, on a parlé des règlements, des références réglementaires. Maintenant, on passe au référentiel normatif. Donc, la norme, c'est un document public élaboré par un organisme reconnu. Organisme reconnu, c'est AFNOR,
C'est l'AFNOR, Association française de normalisation. Dans le secteur agroalimentaire, les normes qu'on peut trouver, c'est ISO 9001, système relatif au système de management de la qualité, qui a pour objectif la satisfaction client, et la norme ISO 22000, qui est relatif au système de management de la sécurité des denrées alimentaires, pour garantir la sécurité des aliments et la sécurité des denrées alimentaires. Oui. On peut trouver des autres référentiels appliqués au secteur agroalimentaire comme l'IFS, BRC, FSSC 22000. Donc, on va donner quelques informations sur l'ISO 22000. C'est un système de management de la sécurité des denrées alimentaires qui est pour sa mise en place. Il faut y avoir le respect des exigences de la norme ISO 9001 et la mise en place du système HACCP. La dernière version de cette norme, c'est la version 2018, qui est constituée de 8 chapitres et elle est standardisée par rapport aux autres normes comme ISO 14001 relatif à l'environnement et 45001. Qui est relative à la sécurité, santé et sécurité au travail. Qui s'adresse la norme ISO 22000? Donc, bien sûr, elle s'adresse à toutes les entreprises de la filière alimentaire, que ce soit pour les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les industries connexes, l'emballage, du transport. De la nutrition animale, du nettoyage et de la désinfection, de fabrication d'équipements, etc. Cette norme instaure ainsi un langage commun et améliore la communication entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Donc, la valeur ajoutée de cette norme, qui est relative au système de management de la qualité, pardon, au système de management de la sécurité des denrées alimentaires, elle instaure un système de contention internationale et ciblée. Il répond aussi à une attente de l'industrie alimentaire. Il permet d'économiser des ressources en réduisant le nombre d'audits redondants. Il fournit une base de référence à la chaîne alimentaire dans son intégralité. Donc, en industrie agroalimentaire, il faut suivre tout un protocole afin de garantir un produit sûr. Il faut contrôler la matière première dès la réception, en cours de la production et les produits finis. C'est relatif à tout le processus. Il faut faire des audits afin de garantir la continuité des systèmes. Il faut faire des audits fournisseurs, des audits internes, la mise en place du système HACCP, le respect, le guide des bonnes pratiques d'hygiène, ou bien les programmes prérequis, et bien sûr, assurer le système de traçabilité. Donc, je vais vous présenter juste un aspect sur l'application au secteur céréalier. Donc, le secteur céréalier, si on peut prendre la fabrication de farine, on commence par la réception. On a reçu le blé tendre pour la production de la farine. Ce blé, avant le déchargement, il doit être contrôlé à la réception. Il faut faire des analyses physico-chimiques, par exemple l'humidité, le taux de cendre, le temps de chute, etc. Il faut vérifier les certificats d'analyse pour ne pas avoir des mycotoxines ou bien des micro-organismes dans la matière première.
Une fois le produit est jugé conforme, il va être déchargé, stocké. Et bien sûr, des contrôles au cours du stockage doit être fait visuellement et par des analyses. Ensuite, on entre dans le processus de fabrication. En résumé, il y a le nettoyage du blé, le mouillage, le repos, la mouture et ensuite le conditionnement. Au cours de l'acconditionnement, il faut contrôler la qualité du produit fini, le contrôle du poids, la vérification du marquage, le numéro de lot, la date, etc. Ça, pour garantir une traçabilité. Et ensuite, la livraison. Pendant la livraison, il faut contrôler l'état d'hygiénique des véhicules avant tout chargement, etc. Donc, en général, il faut respecter le programme prérequis dans tout le processus. Il faut mettre des plans de contrôle. Donc, tout ça pour assurer la qualité. Donc, juste une petite présentation des plans HACCP. Donc, si on prend. J'ai dit que le plan HACCP il est composé de 14 étapes, et 7 principes. Constitution de l'équipe, description du produit, identification des utilisations attendues, c'est-à-dire ce produit il va être utilisé pour qui, comment, etc. Description du procédé de fabrication, description du procédé de fabrication. Il faut décrire toutes les étapes en détail. Ensuite, il faut confirmer sur place chaque étape du diagramme de fabrication par l'équipe HACCP. Et après, il faut identifier les dangers dans chaque étape et il faut l'évaluer et analyser ces dangers selon des arbres de décision et tout. Il faut identifier s'il y a des points critiques dans une étape et tout. Et s'il y a des points critiques, il faut mettre des plans d'action face à des points critiques. Et bien sûr, il faut les suivre et les surveiller tout au long de la chaîne alimentaire. Donc, pour conclure, la qualité est un volet primordial, est un volet essentiel dans l'industrie agroalimentaire. On ne peut pas parler d'une industrie agroalimentaire sans parler du volet qualité. Donc, merci de votre attention. J'espère que ça va être pertinent. Les informations sont complètes. J'ai essayé de vous donner un petit peu de tout. Parce que l'agroalimentaire, comme c'est très vague et la qualité, c'est très vague, pour vous bien cerner ou bien pour bien expliquer le volet qualité, vraiment, il faut y avoir des séances pour donner le détail de tout. Juste pour la norme ISO 22000 et aussi le plan HACCP pour le programme prérequis, pour avoir de l'autorisation ou agrément de l'ensemble et pour décrire les éléments clés de l'industrie, pardon, pour donner les éléments clés de tous les processus agroalimentaires. Donc, pourquoi pas, on peut le faire autrement. Et si on ne peut pas le faire maintenant, on peut décortiquer les sujets de la qualité en des sous-sujets et on peut les discuter ensemble. Je suis disponible et je suis avec vous quand vous voulez.